Oui, bonjour, on est là pour un autre wiki un peu spécial, parce que c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose plutôt qu'on m'a donné. Pour ceux qui le savent pas, fin janvier, c'était mon anniversaire, je viens d'avoir 18 ans, donc non, ceux qui le savent bien, ben, savent que je viens de dépasser les 35 piges. Par contre, on m'a donné un article très, mais ô combien intéressant, que j'ai décidé de l'ouvrir devant vous. Voilà, partager ce moment-ci avec vous. On parle d'une figurine grandista, la figurine de Super Saiyan Rosé. Voilà, je vous présente la boîte. Voilà. Ben presto, grandista, Manga Dimensions, Goku Super Saiyan Rosé. Donc, je dois déjà vous faire une confession. Je n'ai pas regardé les épisodes de Dragon Ball Super. Donc, mais Funko me les a toutes spoils. Donc, je sais quelle forme chaque personnage plus ou moins prend. Mais c'est la première Manga Dimension, ça c'est sûr, que j'ai de Dragon Balls. Ne tardons plus, on est là pour le quickie. Ouf. Aucun assemblage requis. La figurine est simplement magnifique. Je vous montre ça, regardez. De toute beauté. Les peintures sont simplement magnifiques. On se croirait carrément dans le manga. De toute beauté. Ouf, ouf, ouf. J'adore vraiment. La personne qui me l'a donné me connaît absolument bien. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Un petit unboxing rapide du Super Saiyan Rosé Manga Dimensions. Mais bon, je veux savoir vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce genre de figurines à la Manga Dimensions, les peintures qui nous ramènent dans un manga carrément? Ou c'est pas vraiment votre tasse de thé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dirai merci de me regarder. À la prochaine!